Bonjour à tous et à toutes, j'espère donc que vous allez bien aujourd'hui. Allez, hop, lui veut pas, il a trop froid. 7h11, la température extérieure est de moins 1 degré, donc dans mon atelier il doit faire, je sais pas, un petit 3-4. Bon, un petit peu plus, sachant que j'ai allumé les deux radiateurs depuis 6h du matin. En gros, depuis que ma femme est réveillée bah, et a embauché. Et ce matin, franchement, c'est la misère. D'habitude, je me lève pour qu'elle puisse les recoucher et qu'ils dorment. Sauf que ce matin, ils n'ont pas envie du tout de dormir. Donc finalement, ça pleure depuis quasiment, allez, on va dire un trois quarts d'heure. Ah, une demi-heure, allez, pour être optimiste. Une demi-heure, donc là, moi, j'ai décidé de venir dans mon atelier. Bon, elle les a relevés, hein. Ils sont en train de jouer, donc que j'entende pas dire... Ah, ah, Romain, il laisse sa femme se débrouiller avec ses enfants. Bon, en même temps, c'est son métier. Enfin, bref, donc ouais, 7h du matin, je vais me sortir la tête du... voilà, déjà. Je pense que je vais commencer direct par faire les cartes que je dois répondre. Ouais, c'est ça les termes, le terme. Ouais, j'ai un jouet. Ouais, hein. Vous sentez le mec qui peine déjà à trouver ses mots. Donc ouais, allez, je vais me lancer sur des cartes. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cartes. Je crois. 5 ou 6 cartes à faire. Et voilà. C'est parti. Bon, mes enveloppes, mes cartes sont en train de sécher. En attendant, j'ai fait deux colis. Enfin, il y en a un qui est lourd. Il y en a un qui est super lourd, l'autre un peu moins. Et j'ai aussi le classeur de Fabienne qui va partir aujourd'hui. Donc hier pour toi, quand tu vas regarder ce vlog. Pour Sam, pour Pepperine Supplies. Donc maintenant, il est quelle heure? Il est 8h à peine. Je vais aller... Re-petit-déj, donc en fait je petit-déj pas le matin à l'aube, je prends juste un café histoire de boire en fait, et donc là je vais aller déjeuner. Ouais, je sais, vous êtes ravis de savoir, c'est la vie de créa de moi. Et en plus j'ai les mains, elles sont mais gelées. Bon allez, je rentre. Je vais aller me mettre au chaud. Bon, je viens de sortir. Donc, mon atelier est là. Donc, ma box, comme je l'appelle. Donc, la boîte que j'ai fait à l'origine, mon atelier. Donc là, nous sommes dans mon atelier. Donc, originel. Donc là, voilà. Et vous pouvez voir à quel point il fait froid. C'est... Oui, heureusement, vous n'avez pas l'odeur. Mais je pue pas de la bouche. Non mais sérieusement, il caille, mais il caille. Bon allez, je rentre parce qu'il fait vraiment trop froid. On se retrouve in the street, motherfuckers. Yo. Ça va bien, tranquille. Bon, j'arrête mes bêtises. Alors je vous retrouve beaucoup plus tard parce que il est déjà à midi. Je profite que ma femme soit partie chercher les enfants avec les deux petits pour parler parce que ce matin ça a été ça a été chaud. Finalement je suis même pas reparti dans mon atelier parce que voilà, hein, comme je vous ai dit ce matin, il fait très froid et donc dans mon atelier il fait encore plus froid. Et j'ai fait quand même pas mal de choses ce matin, donc je suis parti à la poste. J'ai fait mes colis qui partent en mondial relais. J'ai fait quoi d'autre? J'ai refait du pochoir et surtout j'ai fait 2-3 trucs sur l'ordinateur. Enfin bref,
pas de truc très passionnant, donc là, et en plus, je fais à manger, donc voilà, c'était le truc le plus long de la journée, donc j'ai dû éplucher des patates pour faire des frites et des fajitas. Des fajitas! Si, si, señor! Patatas fritas! Ah, vous allez rigoler comme le coup mince, je me rappelle plus c'était quoi. Des gaufres. Les gaufres, vous m'avez dit que j'étais goinfre de pas attendre. Ouais, mais moi je suis quelqu'un de goinfre. Focus, voilà. Donc aujourd'hui ça va pas être je sais pas si je l'ai dit en fait. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit que mon vlog d'hier était très court. Trop court. Que certains n'ont même pas fini de déjeuner devant mon vlog. Bah désolé, il y a des jours comme ça où il y a moins de choses de prévues. Voilà. Là j'essaye de faire un peu plus long pour aujourd'hui. Comme ça t'auras au moins dédicace à Christelle. T'auras au moins peut-être le temps de finir ton café quoi. Devant mes beaux yeux. Bon, cet après-midi je vais aller sur Narbonne. Poster mes deux colis à Mondial Relais, parce qu'il n'y a pas de Mondial Relais plus proche que Narbonne. Ah si, il y en a un dans les montagnes. Mais bon, en fait, le plus proche est à 15 km. Sauf qu'en fait, vu que c'est que de la route de montagne, moi je mets 40 minutes à y aller. Oui, j'ai le vertige. Donc quand je roule dans les virages, moi j'ai le vertige, donc je roule doucement. Voilà. Oui, je sais, je suis une baltringue. Non, je vais aller voilà, sur Narbonne, comme ça je vais l'envoyer, ce sera plus rapidement. Et en plus, j'ai un graffiti à aller voir. Qui a l'air... je vous l'ai montré la dernière fois en plus. Ouais, donc en fait, non. J'ai rien à faire, en fait. Je l'ai déjà vu, en fait. Ouais, je parle... Ouais, Alzheimer. Voilà. Quelqu'un veut une frite? Elles sont belles mes frites ou pas? Je parle aux Belges. Est-ce qu'elles sont belles mes frites? Est-ce qu'elles ressemblent à des frites belges? Elles sont fondantes à l'intérieur et croustillantes à l'extérieur. Surtout ça a le goût d'huile quoi. Bon allez, j'arrête là. Je vais vidéo mon cap plus tard. Donc de retour à la maison, ouais. Alors comme vous venez de voir, ce sont des petites images que j'ai filmées dans un petit entrepôt en fait, enfin bref, où je pense qu'il y aura une future expédition là-bas, hein. Sinon, je vous ai évité tous les Mondial Relais, Carrefour. Alors à Carrefour, ça faisait longtemps que j'en cherchais. Je sais pas si on voit. Bon, enfin bref. Au beurre de cacahuète. Des cacahuètes. Ouais, je suis fan des beurres de cacahuète. Mais Romain, t'es pas au régime? Si, si, je suis au régime. Par contre, j'aime les Oreos. J'aime le beurre de cacahuète. Mais les Oreos au beurre de cacahuète, bah c'est pas top. Ouais. Alors on veut faire comme les Américains, hein. Mais en fait non, c'est pas top. Regardez les fonds que j'ai fait ce matin. Ils sont plutôt pas mal, hein. Donc je les finirai je ne sais pas quand. Alors j'ai une annonce grave à faire. Très grave. Je vous entends déjà crier au scandale. Je pense que demain il n'y aura pas de vlog. Je vous sens triste. Je vous sens triste. Vous m'avez dit de me reposer un petit peu. Ma femme demain, elle ne travaille pas, mais finalement elle est en formation. Donc c'est à dire que toute la journée elle n'est pas là. Et moi je suis avec les trois enfants. Donc je pense que ça va être une journée plutôt calme.
plutôt très calme. Je pense me poser, voilà, pour une fois dans ma vie, genre le mec et tout, genre il s'est jamais posé. Hein. Il a 35 ans, ça y est, il a fait 3 guerres. Voilà, donc je pense que demain je vais me poser, donc sauf si vraiment vous voulez, sauf. Je dis ça ou je dis rien. Alors au pire, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Genre si à 10h j'ai 30 likes, non 50 likes. Si à 10h j'ai 50 likes, je fais un vlog. Que du blabla. 10 minutes de blabla. Juste pour que Christelle puisse déjeuner tranquille dimanche matin. Ouais, allez, je vais arrêter là. Un petit Oreo, franchement, putain, je suis déçu. C'est trop bon le beurre de cacahuète, mais ils l'ont sucré quoi. Ah, je suis déçu. Du beurre de cacahuète sucré. Allez, je vais arrêter là. Non mais sérieusement, demain, ouais, je ne pense rien faire. Ou sinon, je vous fais un 2 minutes de nature pour dimanche matin. Mais à part 2 minutes de nature de la plage, qui va nous faire pleurer parce qu'on va dire « On est en hiver, il fait trop froid. Pourquoi il y a de la plage, on peut se baigner ?» Ouais, c'est la tête d'un malheureux, ça. Allez, Romain, arrête. Bon, dites-moi si vous voulez quelque chose, si vous voulez une vidéo demain. Voilà, allez. Je vous dis donc à demain, pouce bleu. Pouce bleu, voilà. Si je vois que franchement, si je vois que vous avez été très motivé avec les pouces bleus ou avec les commentaires, hop, je ferai une vidéo. Si je vois ça. Ouais, c'est de l'arnaque. Ouais, je vous pousse à commenter et à faire un pouce bleu. C'est même pas de l'arnaque, c'est comme la vente forcée, c'est pareil. Vous voulez une vidéo? Vous aimez Créa de moi? Bah tu likes. Tu aimes Créa de moi, tu t'abonnes. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu commentes. Tu relutu chapeau. Allez, je vous dis donc peut-être à demain, sinon je vous dis à lundi, je vous embrasse. Je vous mets mal à la bise parce que je pique à ce qui paraît. Tchou!